Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc il est 13 h, comme nous avons beaucoup de choses à partager. Je vais démarrer, même si tout le monde n'est pas encore arrivé, mais ça va permettre à tout le monde d'arriver tranquillement après cette pause déjeuner. Alors, nous sommes ensemble pour parler dans notre contexte de transformation, dans notre programme autour de la transformation, du leadership transformationnel et des stratégies pour mettre en place le leadership transformationnel dans vos organisations. Je vais commencer par vous poser une première question, hein. Vous avez l'habitude, si vous avez suivi les autres webinaires, pour rentrer dans le sujet. Et pour pouvoir personnaliser au maximum le discours et les éléments que je vais partager dans les 3 quarts d'heure que nous avons, je voudrais que vous répondiez par le chat. Vous avez le chat donc qui est accessible à la droite de votre écran à cette première question. Nous allons parler de stratégie de transformation, nous allons parler de diagnostic, parce que nous allons voir qu'un des points importants dans une stratégie, c'est le bon diagnostic qui permet le plan d'action derrière. Question ouverte, et je vous invite à répondre dans le chat. Quand vous démarrez un processus de transformation, quels sont les obstacles ou les principaux obstacles que vous rencontrez pour établir un diagnostic transformationnel? Déjà, est-ce que vous mettez en place une logique de diagnostic transformationnel? Et quels sont les obstacles que vous rencontrez pour à la fois constituer ce diagnostic et que ce diagnostic soit clair, soit actionnable? Donc, nous allons prendre quelques minutes, hein, 5 minutes maxi, pour échanger sur ce sujet-là. En tout cas, pour que moi, je prenne conscience d'un maximum de choses, toujours pour pouvoir vous apporter des questions pendant ce webinaire qui correspondent et qui peuvent vraiment coller à votre contexte et aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, allez-y, hein, je scrute le chat avec attention. Donc, quels sont les obstacles que vous rencontrez pour pouvoir établir un diagnostic transformationnel, un diagnostic qui soit clair, un diagnostic qui soit actionnable? Alors d'ailleurs, je n'ai pas fait le petit check du début pour voir si vous m'entendez, mais comme je commence à avoir des réponses, eh bien, je pars du principe que vous m'entendez. Si ce n'est pas le cas, mettez-le dans le chat et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à redémarrer votre application. Alors, une première réponse, donc construction et la prise en compte de la transformation, l'embarquement des collaborateurs, en particulier les anciens qui font du freinage. Alors effectivement, cette logique de résistance au changement, qui est un processus qui est naturel, va être cristallisée ou en tout cas amplifiée, très souvent amplifiée par rapport à cette notion d'ancienneté. Une transformation, c'est sortir de sa zone de confort. Et n'oubliez jamais qu'un point important, c'est que la zone de confort n'est pas forcément la zone où l'on est confortable, c'est la zone que l'on connaît. Donc sortir de sa zone de confort, ça nécessite un certain nombre de choses à la fois internes et un environnement à mettre en œuvre. Et donc justement, nous allons voir que dans cette logique de diagnostic, eh bien, la question, ça va être qu'est-ce que je peux analyser, identifier et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir réduire au maximum cette notion de résistance. La résistance, c'est un phénomène qui est nécessaire, qui est obligatoire et nécessaire, mais qui ne va pas être avec le même poids selon l'ancienneté, selon un ensemble de choses qui sont très, très personnelles. Donc, la résistance au changement, le conservatisme, pardon, me dit Vincent. Donc le poids des habitudes. Donc effectivement, on est toujours sur cette logique. Qu'est-ce que l'on va mettre en place pour aider les personnes à faire ce chemin de sortie de leur zone de confort?
qu'est-ce que l'on va mettre en place pour les accompagner et pour gérer cette peur et ce déséquilibre qui va être naturel. Donc, la documentation, la recherche de la documentation, me dit donc Pouletier, donc sur la documentation du processus métier, trop souvent dans la tête des personnes. Effectivement, c'est pour ça que je parle de cette notion de diagnostic. C'est aussi la démarche que nous allons mettre en place pour aller glaner, aller rechercher le maximum d'informations. Et cette logique de diagnostic, ça peut passer par j'identifie justement où est la connaissance. Et comment je vais aller pouvoir exploiter cette connaissance? Et souvent, ça passe par, ben, je mets autour de la table justement les personnes qui connaissent pour pouvoir identifier après les éléments des processus. Après, donc, il y a tout un ensemble d'outils qu'on va pouvoir utiliser sur la manière d'analyser, de cartographier donc les processus, sur la manière de mapper un petit peu donc les changements comportementaux qui vont être en support de ça. Mais cette logique de diagnostic va passer par j'identifie justement où est la connaissance, où sont ces éléments qui vont être nécessaires pour pouvoir porter mon changement. La méfiance, la confiance, c'est bien, me dit, bien définir les objectifs de la transformation. Tout à fait d'accord avec vous, Hugues, et c'est pour cela que cette logique, cette notion de leadership transformationnel, en tout cas telle que nous la portons, est fondamentale, parce qu'elle est basée justement sur travailler sur les approches, les manières de gérer cette méfiance nécessaire et de donner du sens, et de vraiment être clair dans les objectifs de la transformation. Donc, la participation active des parties intervenantes pour faire progresser les axes identifiés, me dit Müller. Effectivement, et c'est pour ça que je zoome un petit peu, nous allons zoomer sur cette partie diagnostic qui va passer par identifier quelles sont justement ces parties prenantes et comment, quelles sont les méthodes, les outils que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir les impliquer. Pour pouvoir les impliquer en fonction de leur résistance, en fonction de leur temps, en fonction d'un ensemble d'éléments que l'on va pouvoir, qu'on va devoir prendre en compte dans notre dynamique. Donc, on va avancer, mais vous pouvez continuer à répondre à ces questions, à la question dans le chat, hein, j'y reviendrai. Et vous allez voir que cette démarche, en tout cas l'approche que je prône, est complètement calée sur ces problématiques-là, qui sont avant tout des problématiques purement humaines, purement comportementales. En quelques mots pour me présenter, donc je m'appelle Eugène Bill, donc je suis au sein de Coprim, responsable de la Business Unit Transformation, qui a pour vocation d'accompagner les dimensions humaines, collectives et individuelles des transformations, avec, vous allez voir, un focus sur cette notion de leadership transformationnel, de leadership et de management transformationnel. Donc, nous intervenons sur les stratégies de transformation, un zoom sur la transformation managériale, sur les aspects conduite du changement. J'ai aussi en charge, au sein de Coprim, de toute la partie formation, de notre organisme de formation que nous appelons Académie Coprim. Je suis à la fois le responsable de l'académie et le responsable pédagogique. Et l'Académie Coprim, organisme de formation certifié Calliope, donc petit message en passant, nous arrivons en fin d'année. Vous avez peut-être encore des budgets formation à utiliser, donc n'hésitez pas à nous contacter, à regarder. Donc l'Académie Coprim va être spécialisée sur les formations, l'accompagnement des managers. Donc, avec des formations en management, des formations en management de projet et des formations sur ce que on va appeler l'efficacité professionnelle, donc la gestion du stress, la gestion du temps, tous ces éléments, le leadership, tous ces éléments donc importants sur la posture managériale, en partant du manager opérationnel pour aller jusqu'au top manager. La stratégie pour implémenter donc le leadership transformationnel. Le sujet de notre webinaire va être dans la continuité du webinaire que j'ai donné il y a 2 mois, qui présentait les grandes lignes du leadership transformationnel, donc webinaire que vous pourrez retrouver
en replay. Hein, si vous voulez le lien, n'hésitez pas. Donc, nous vous enverrons le lien de ce replay. Dans le webinaire précédent, donc, j'ai positionné les grandes lignes du leadership transformationnel et des grandes compétences nécessaires pour devenir un leader transformationnel. Et aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la logique, je dirais, donc méthodologique, c'est-à-dire comment on va pouvoir mettre en place le leadership transformationnel, ou en tout cas comment le leadership transformationnel va aller porter votre stratégie de transformation et votre conduite du changement. Nous avons 45 minutes pour aborder ce sujet. Donc, bien sûr, je vais essayer de balayer un maximum de choses. Mais pour entrer un peu plus dans le détail, moi, je vais vous proposer dans les semaines suivantes, eh bien, d'un échange un peu plus individuel, un peu plus personnalisé. Vous avez au-dessus de votre écran, du slide de présentation, donc un bouton pour pouvoir accéder directement à mon agenda. Et moi, je vous propose un rendez-vous d'une heure qui permettra ensuite de rentrer un peu plus dans le détail, à la fois de répondre de manière peut-être plus détaillée aux questions que vous pouvez vous poser. Je vais essayer de répondre à un maximum de choses, mais le temps étant, eh bien, peut-être vous aurez envie et besoin d'aller plus dans le détail sur certains points, de partager avec vous aussi des retours d'expérience. Vous allez voir que je vais vous présenter donc une mise en œuvre, mais je vais rester sur quelques grands éléments et ensuite nous pourrons ensemble creuser. Et puis, moi, je vous proposerai aussi un premier diagnostic un peu exploratoire qui me permettra de vous faire des suggestions sur les axes ou en tout cas les quelques éléments que vous pouvez renforcer au niveau de vos transformations. Donc, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous. Vous avez le bouton en haut de l'écran et vous allez aussi avoir le lien dans le chat. Et donc là, donc Yamina, qui travaille avec moi, vient de mettre aussi le lien pour pouvoir accéder au webinaire précédent. Alors, avançons, avançons. Donc là, dans notre dernier webinaire, comme je disais, donc on a positionné les bases du leadership transformationnel, tel que je le porte. Le leadership transformationnel, pour simplifier les choses, va être basé autour de la vision. Pourquoi on va parler de cette logique de leadership transformationnel? Parce que le point de départ va être créer une vision stratégique pour pouvoir répondre à toutes ces questions qui sont le pourquoi. La transformation, où nous allons, quel est le sens, etc. Tous ces éléments-là qui vont permettre déjà de dédramatiser ou en tout cas de répondre à certaines peurs qui vont être nécessaires et qui vont être, je dirais, donc obligatoires dans une logique de transformation. Définir cette vision, communiquer cette vision. Il y a aussi donc une manière de communiquer cette vision. Qu'elle soit régulière, étalée dans le temps, etc. Et transformer cette vision de manière concrète en gestes quotidiens. L'enjeu, et c'est pour ça que vous avez vu la petite image à côté, j'ai pris l'image du tailleur de pierre, c'est que dans tous les gestes du quotidien, eh bien, chaque collaborateur puisse arriver à faire le lien avec la vision, à comprendre le pourquoi, tel le cas le tailleur de pierre qui taille une pierre, mais qui a cette vision, à qui on a communiqué cette vision de la cathédrale. Et la transformation étant un processus constant et continu, eh bien, développer, maintenir cette motivation, cet engagement face à la vision, c'est le quatrième pilier du leadership transformationnel. Donc maintenant, une fois que nous avons vu ça, allons un petit peu plus loin pour voir comment ou quels sont donc les points clés pour pouvoir rentrer dans ce sujet et mettre en œuvre le leadership transformationnel, faire que ce leadership transformationnel soit au cœur et en support de vos transformations, de la conduite de vos projets, de vos changements, pardon. Prenons un petit peu de recul. Dans une logique de transformation, il y a cinq points clés et ces cinq points vont être les piliers. Et si jamais ces points ne sont pas intégrés ou en tout cas ne font pas partie de votre stratégie de transformation,
Je ne veux pas dire que votre transformation ou vos changements donc n'aboutiront pas, mais en tout cas, vous mettez des éléments de complexité, de difficultés supplémentaires. Alors, quels sont ces 5 points? Le premier point, j'étais un peu vite. Bon, c'est pas grave, il y a deux. Le premier point, eh bien, on a vu, c'est la logique de la vision. Un, c'est dans mon focus, c'est comment je m'assure que cette vision soit claire et que cette vision surtout soit comprise, acceptée par tout le monde. Le deuxième point, donc, on a parlé, c'est comment je définis un plan d'action ensuite derrière, concret, adaptable, avec les étapes qui soient précises pour pouvoir atteindre ces objectifs de transformation. Un plan d'action qui soit concret et adaptable. Parce que, eh bien, donc, les choses évoluent. Alors, travailler avec des cycles courts, travailler dans une logique agile, etc. Donc, ce sont donc les fondamentaux. Mais ma stratégie et mon plan d'action. La troisième clé, ça va être le rôle du leadership. Le rôle du leadership et du management. Qu'est-ce que je mets en place pour développer cette notion de leadership transformationnel, développer des leaders qui soient inspirants, qui donnent du sens, des managers qui soient engagés et qui vont incarner donc les transformations et le changement pour pouvoir soutenir l'équipe. Dans cette notion de changement, il y a une logique d'incarnation qui va être importante. Hein, donc j'ai vu une phrase, on peut dire donc le changement donc se pilote, s'organise, la transformation s'incarne. Donc, ce sont des éléments qui vont être importants. Donc, il y a tout un travail autour du leadership et du management. Et dans notre approche, vous allez voir que je positionne le leadership et le management au centre parce que toutes les études, les analyses vont montrer que le changement va se concrétiser davantage dans les relations entre un manager et ses collaborateurs que dans toutes les actions d'accompagnement et dans toutes les méthodes d'accompagnement de projet. Donc, le leadership et le management au centre, et étant un pilier fort. Ensuite, la quatrième clé, c'est de comprendre et connaître les leviers motivationnels. Les leviers motivationnels sont à la fois psychologiques, mais aussi comportementaux, cognitifs. C'est pour ça que certains d'entre vous savent que nous travaillons beaucoup avec les neurosciences appliquées au changement et aux transformations, car ce sont des clés, cela nous donne les clés fondamentales pour comprendre les leviers à activer, les leviers à examiner, que ce soit individuel et collectif, car ils vont être différents et complémentaires, pour pouvoir faire avancer les équipes, les collaborateurs, les managers, les leaders, dans le sens de la transformation. Et la dernière clé de la transformation, ça va être bien les moyens, les ressources. C'est se poser cette question, est-ce que je fournis bien tous les moyens qui vont être nécessaires? On parle de formation, d'outils, hein, et ce n'est pas simplement est-ce que j'ai mis la bonne documentation ou est-ce que j'ai. C'est des logiques d'outils simplement formés à l'outil. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Mais quelles sont donc les ressources nécessaires pour que les équipes puissent arriver et contribuer donc à la transformation? Vision, stratégie, leadership management, levier motivationnel, moyens et ressources. Ce sont ces 5 piliers, ce sont ces 5 clés. Si vous avez des faiblesses dans une des clés, si vous négligez une des clés, vous rentrez dans une logique de difficulté, voire d'échec au niveau de vos transformations, au niveau de vos changements. Alors, pour partager un petit peu ça, nous allons faire. Ben je vous propose un petit sondage très très rapide. Je lance le petit sondage. La question, elle est très simple et je vous demande de répondre. Donc, voilà, j'ai parlé des 5 dimensions, vision, stratégie, plan d'action, leadership, management, levier émotionnel et soutien de ressources. Eh bien, selon vous, pour vous, quelle est dans la mise en œuvre des transformations dans votre organisation en cours ou à venir le plus grand défi, en tout cas, l'élément qui va être le plus compliqué, complexe à mettre en œuvre. Donc, je laisse quelques minutes pour pouvoir répondre à cela.
Allez-y, allez-y. La stratégie, plan d'action. Les leviers motivationnels, le soutien. On voit bien que tout est lié, tout est. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir dans, voilà, quelle peut être, hein, l'épine la plus importante dans ce que vous projetez ou dans ce que vous allez, ce que vous pouvez mettre en place. On voit bien que stratégie et levier motivationnel sont bien liés, mais on est sur des tâches quand même, la stratégie et le plan d'action. Je laisse encore quelques minutes, enfin une petite minute. Ok, je pense que tout le monde a répondu. Ok. Donc, si je partage les résultats, donc vous voyez que bon, les choses sont très très proches. Ce qui se distingue un peu, c'est la stratégie et le plan d'action. D'accord. Dans le chat, on parle aussi des leviers motivationnels. Donc on voit que la vision, a priori, n'est pas le défi dans la mise en œuvre de vos transformations. Alors, pour aller dans ce sens-là, c'est vrai que dans les actions et dans les interventions que nous avons, la logique de la vision, de la création de la vision, du pourquoi, de l'intérêt, donc elle n'est pas la problématique. Maintenant, après, c'est la déclinaison, enfin c'est la suite, c'est à la fois la communication et la manière de mettre en place, de concrétiser un petit peu un plan de transformation qui va répondre à cette vision. Merci pour ces réponses. Pour résumer un petit peu ça, une petite présentation pour voir résumer un petit peu donc le poids de ces clés sous une forme qui est inspirée de la matrice de Kostner, de Knoster, pour ceux qui la connaissent. Vision, stratégie, leadership, levier, moyen. On voit donc les caractéristiques pour pouvoir avancer vers un changement réussi. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais il manque un élément, si jamais il nous manque la vision, eh bien, qu'est-ce que ça va toucher? Ça va être toucher donc la logique de confusion, la logique de désorientation, les questions qui vont être le pourquoi, le sens, quel est l'intérêt, pourquoi je dois changer? Mais a priori, ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Pourquoi on nous demande maintenant de changer, de fonctionner différemment, de manager différemment, etc. Si jamais donc j'ai bien ma vision, mais il n'y a pas de stratégie, de plan d'action, eh bien on rentrera dans l'inefficacité, on rentrera dans des efforts, dans des actions. Je le vois assez souvent. On va mobiliser les personnes, on va faire des réunions, on va faire des séminaires, on va faire des éléments, et ensuite derrière, comme ça n'est pas bien organisé au niveau comment dirais-je? Du lien avec la vision et du lien donc avec les avancements, eh bien à certains moments, eh bien il va y avoir du désengagement, il va y avoir de la démotivation, il va y avoir cette sensation de faire des efforts sans comprendre pourquoi ou en tout cas qui ne vont rien amener. Donc dispersion des efforts, inefficacité et justement une impossibilité de mettre en place ou de faire apparaître tout ce qui va être réussite, avancement, quick wins, etc. Dans la stratégie, le plan d'action, il y a aussi tout ce qui va être lié à l'aspect mesure. Si le leadership et le management ne sont pas, pardon, au rendez-vous, là, on retrouvera tout ce que je disais sur le lien entre le changement et le lien manager et équipe, un manque de repères, un manque d'implication. Le management est central, comme je vous l'ai toujours dit. Le management a une logique d'exemplarité. C'est pour ça que la dernière fois, dans le webinaire précédent, nous avons bien mis en évidence la complexité pour le manager qui doit à la fois vivre la transformation et accompagner la transformation. Donc un manque de repères et du coup un manque d'implication des équipes. Si
les leviers motivationnels ne sont pas compris, connus et activés de la bonne manière, eh bien là, la logique de résistance au changement qui va être nécessaire, qui va être obligatoire, elle va être amplifiée. Résistance au changement, démotivation, blocage au niveau des différentes équipes, des différents intervenants. Et si jamais les moyens et les ressources ne sont pas au rendez-vous, eh bien, on aura de la frustration, on aura de la baisse de performance, on aura du blocage parce que les équipes vont être face ou vont ressentir des logiques d'injonction contradictoire, vont être dans une logique où on va leur demander de changer, mais on leur demande pas, donc on donne pas les moyens pour pouvoir changer, on donne pas donc les moyens pour comprendre ce qu'on attend d'eux, et ça va amplifier la logique de résistance, toujours derrière. Donc, vous voyez déjà que si ce premier tableau vous permet d'identifier en fonction des réactions que vous pouvez sentir dans les transformations, eh bien, quels sont le ou les leviers, le ou les clés que vous devez activer un petit peu plus ou sur lesquels vous devez vous pencher. Donc, mettre en place tout cela. Cela va passer par différentes étapes, si on parle de stratégie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les stratégies de conduite du changement. Donc, toute la partie conduite du changement avec les méthodologies du style ADKAR ou COTER ou autre. Eh bien, donc ça, nous pourrons l'aborder à un autre moment, soit dans nos échanges individuels ou en tout cas peut-être sur un autre webinaire. Je vais parler un petit peu de l'aspect stratégique qui va être avant tout cela. Parce que si on schématise notre fonctionnement, vous avez mettre en place le leadership transformationnel au centre de la transformation, ça va passer par une logique de diagnostic. Une logique de diagnostic, et je zoome et j'insiste sur ce point, parce que la clé de votre transformation, elle est à ce niveau-là. Si vous arrivez à avoir ce diagnostic, un diagnostic qui soit complet, exhaustif, ou en tout cas qui vous permette de vraiment mettre le bon plan d'action derrière, à ce moment-là, vous maximisez les chances de réussir vos transformations et de réagir par rapport aux évolutions de vos transformations. Donc, le diagnostic, je vais zoomer un peu juste après sur ça, est un point clé. Le diagnostic va permettre aussi d'aller dans le sens de notre approche, qui est je mets le leadership et le management au centre. Donc, ça va me donner donc les différentes clés pour pouvoir renforcer le leadership, renforcer le management. Et c'est cela qui va porter toute la partie conduite du changement. Et c'est ça qui va me permettre de faciliter l'adhésion et d'accompagner le changement. Je vais bien faciliter, parce que accompagner le changement, c'est être facilitateur. Vous connaissez sans doute la phrase qui dit le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme système, comme organisation, comme principe à l'extérieur, mais si jamais vous n'allez pas toucher les leviers motivationnels internes, vous n'aurez pas une adhésion au changement. Donc, le diagnostic, je travaille sur le leadership, sur le management, et c'est ça qui va me permettre de porter ma conduite du changement et d'appliquer mes outils, mes approches, ADKAR ou autres, sur le changement. Alors, le diagnostic. On a vu dans les questions que je vous ai posées, la première question que je vous ai posée, que le diagnostic peut être je dirais donc un élément compliqué, un élément complexe, parce que la question va être, OK, lorsque je vais faire mon diagnostic, qu'est-ce que je vais analyser? Sur quoi je vais porter mon attention? Et comment je vais mener ce diagnostic pour être sûr d'avoir les éléments pour mon plan d'action? De manière très schématique et très simple, je dirais que l'approche peut être de s'appuyer sur la comparaison que l'on retrouve très souvent dans une logique de transformation de l'avion et des forces qui vont aller guider un avion. Et pour la transformation, c'est la même chose. Alors, cette image de l'avion que vous connaissez peut-être, ou en tout cas que je présente, qui est une image connue, mais que j'ai un petit peu fait évoluer par rapport à justement notre approche, c'est le fait de dire, comme pour un avion, le vol d'un avion, donc la transformation va avoir des éléments qui vont être des forces qui vont permettre d'avancer. On va parler de la portance, on va parler de la propulsion, et des éléments qui seront des freins
et qui vont ralentir, voire bloquer l'avancement. Donc, le poids et la traînée. Donc, l'idée ne va pas être de dire comment je peux supprimer la traînée, comment je peux supprimer le poids, parce que ce sont de toutes les façons des éléments qui existeront toujours. Je ne veux pas dire qu'ils sont obligatoires, mais qui sont systématiques. Vous aurez toujours des logiques de traînée, vous aurez toujours des logiques de poids. Mais la question, c'est qu'est-ce que je fais pour réduire ces éléments de frein, qu'est-ce que je fais pour amplifier ces éléments de propulsion. Vous voyez ce que je mets dans la portance et dans la propulsion. Déjà, la première question, c'est de se dire, est-ce que ces éléments-là sont, dans mon organisation, pas placés à cet endroit-là? L'organisation, par exemple, ou le leadership, doit faire partie des portances, des éléments qui vont porter la transformation. Maintenant, tel que c'est dans mon organisation, est-ce que ce n'est pas plutôt un poids ou un élément qui fait partie de la traînée? Pareil pour le management, par exemple, les fonctions support et transverses. D'accord? Donc, le diagnostic, la logique du diagnostic, pour moi, ça va être de balayer ces éléments-là, de se poser des questions sur ces éléments-là pour identifier, eh bien, quels sont les éléments qui font partie de la propulsion de la portance pour pouvoir donc capitaliser dessus, donc les amplifier. Quel est le poids des éléments qui font partie de la traînée et du poids pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir essayer de les diminuer au maximum, ou en tout cas de prendre en compte ces éléments-là. Et est-ce qu'il y a des éléments qui sont mal positionnés, entre guillemets, qui devraient être de la portance et de la propulsion, et qui sont dans le poids ou de la traînée? Et qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir les basculer comme étant des éléments moteurs plutôt que des éléments de frein? La logique du diagnostic, elle est là. La logique du diagnostic, c'est cette analyse-là. En tout cas, notre approche, elle est basée sur ça. Alors, comment on va faire ça? De manière très, très rapide, bien sûr. Comment on va faire ça? Eh bien, il y a différents moyens, différentes méthodes, différents outils que l'on va utiliser pour ça. Donc, il peut y avoir donc du questionnaire. Donc, nous avons, au niveau de Coprime, au niveau de la BU Transformation, travailler sur un questionnaire. Les questionnaires vont pouvoir enfin analyser, par exemple, la maturité en leadership, la maturité donc en transformation d'une organisation, les compétences de leadership transformationnel. Nous sommes partis de questionnaires existants. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le MLQ 360 ou le Hogan Darkside. Enfin, en tout cas, donc, il existe des questionnaires sur ces aspects de leadership transformationnel. Mais nous les avons enrichis avec les éléments provenant des neurosciences pour pouvoir aller toucher aussi à diagnostiquer les éléments qui vont aller toucher, porter les résistances, la logique de résilience, le fonctionnement sous stress, etc., etc. Donc, je serais ravi de partager cela avec vous, avec ce diagnostic. Alors, après, ce questionnaire dans la démarche peut être utilisé dans la partie diagnostic, peut être utilisé aussi après dans la création du plan d'action, des plans de formation, etc., etc. Des entretiens, les entretiens qualitatifs qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin sur une population ciblée, identifiée, et qui va permettre aussi d'affiner encore cette logique de diagnostic, avec toujours notre approche qui va aussi un peu plus loin que les entretiens classiques standards, et qui vont aller toucher aussi à la partie cognitive, émotionnelle, en termes d'analyse. Analyser un peu les processus, les données existantes. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes, un baromètre, analyser les outils, les données RH, analyser donc tous les éléments, tous les processus managériaux, et travailler sous forme d'ateliers collaboratifs. Là, c'est aussi, donc tout à l'heure, on parlait d'embarquer les parties prenantes. Eh bien, embarquer les parties prenantes, eh bien, plus vous pouvez les embarquer tôt dans la phase de diagnostic, eh bien, plus vous mettez les chances pour que derrière, donc, ils soient moteurs, ils soient des éléments engageants dans votre démarche.
Pour illustrer un petit peu cela, je vais partir d'un exemple, d'un exemple, donc là, d'une structure avec laquelle nous avons travaillé il y a quelques temps, une petite année. J'ai d'autres exemples, mais je suis resté sur celle-là. Une structure avec, pour donner dans les grandes lignes, 2800 collaborateurs à peu près. Des filiales, donc une structure française avec des filiales en Europe, même aussi une filiale donc en Afrique du Nord, pas noté. Et puis environ donc 300 managers avec une logique de top manager, codir COMEX, et puis manager intermédiaire et manager opérationnel. Une logique de management hiérarchique et une logique de manager aussi non hiérarchique. La structure rencontrait des difficultés, des problématiques qu'elle avait identifiées sous une forme d'un turnover élevé, qui en tout cas était plus élevé que les dernières années et puis peut-être aussi que leurs concurrents. Un baromètre social qui avait été effectué et qui avait mis en évidence des problématiques de satisfaction, d'engagement, de relations avec les managers et un audit aussi purement opérationnel qui mettait en évidence des problématiques d'efficacité. L'analyse avait montré que le travail autour du management était un élément qui était fondamental, qui était nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Donc, formulé de manière très très simplifiée, comme ça, c'est passer d'une approche traditionnelle à une approche transformationnelle, avec la mise en place de l'agilité, la résilience, du développement des talents, de l'innovation, etc., etc. Alors, bien sûr, je le mets comme ça, mais on s'était aussi appuyé sur des éléments chiffrés derrière. On avait des objectifs de diminution du pourcentage de turnover, des objectifs de nombre de managers formés, etc., etc. Donc la notion de KPI, en tout cas, donc d'élément de suivi, est fondamentale. On ne peut faire évoluer que ce que l'on mesure. Et donc ça, c'est aussi un élément clé dans la démarche. Alors comment nous avons fonctionné? Nous avons fonctionné en trois phases pour mettre un petit peu de concret. La partie diagnostic, nous avons porté avec des entretiens individuels des top managers. Donc là, nous nous sommes centrés. C'est un choix qui avait été fait donc avec la structure. Le fonctionnement est complètement et toujours adapté à la culture, aux problématiques, à la répartition géographique, etc., etc. En tout cas, donc là, nous avons fait le choix de faire des entretiens individuels qui étaient aussi appuyés sur notre questionnaire autour du leadership transformationnel. Nous avons aussi donc analysé dans le détail les résultats du baromètre et de l'audit interne. Et nous avons terminé toute cette partie diagnostic avec un séminaire. Donc, nous avons une forme de séminaire qu'on appelle le séminaire Vision, avec le comité de direction élargi qui était sur comment, non pas je crée la vision existait, mais comment je peaufine vraiment cette vision et que je la rende concrète et je communique autour de cette vision. Alors, ce diagnostic a mis en évidence différentes choses. Il a mis en évidence le fait que dans cette structure, les pratiques managériales étaient assez hétérogènes, justement, non pas homogènes, hétérogènes, ce qui donnait un ensemble de problématiques à la fois de ressenti, de performance, d'échange, de travail collaboratif, etc. Donc un besoin d'harmonisation. Et c'est ce qui a mis en évidence la nécessité de formaliser un petit peu ce que l'on attendait des managers et donc d'aller vers la création d'un référentiel de management, chose qui n'existait pas dans la structure. Ce que cela a mis en évidence dans les éléments qui ont été un petit peu aussi une surprise, c'est que 70% des managers étaient dans une volonté de transformation, de changement. Mais sans savoir comment, sans avoir la perception que l'environnement était prêt à changer, avec tous les blocages qui pouvaient être nécessaires, avoir une petite désillusion par rapport à la possibilité d'eux. Mais il y avait quand même un a priori, en tout cas dans cette structure, positif sur la partie managériale. Et le fonctionnement en silo aussi mettait en évidence des tensions, des blocages au niveau de la gestion des priorités. Les freins que nous avons rencontrés ont été des freins
sur laquelle nous avons dû travailler sur une résistance un petit peu passive face à la notion de questionnaire d'analyse hein, qui pouvait être vue comme une évaluation et comme un moyen donc d'identifier les forces, faiblesses, voire les maillons faibles. Alors, donc ça, c'est le verbatim de certains participants. Donc nous avons travaillé sur une logique d'explication et de mise en avant de tout cela. Et puis cette logique de silo, qui a aussi été un frein par rapport à la façon dont nous avons pu avancer. Oula, je vais rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes et j'ai vraiment beaucoup de choses que je voulais partager avec vous. Donc, la phase 2, ça a été la co-construction d'un plan d'action, encore une fois. Donc, plus vous pouvez être dans une logique de rendre autonome, de rendre actrice l'organisation, eh bien, plus les chances de transformation sont importants. Donc, nous avons créé des groupes de managers et de collaborateurs référents en mélangeant les départements, les anciennetés, etc. Donc, là, quelque chose donc de représentatif et de complètement brassé et mélangé avec comme finalité la création d'un référentiel managérial, la mise en place du plan d'accompagnement, la mise en place du plan de communication, les indicateurs de suivi, etc., etc. En tout cas, donc une co-construction qui ensuite a donné, eh bien, donc la mise en œuvre avec des séminaires. Alors donc pour le travail avec les top managers, une logique de séminaire de coaching, un parcours de formation sous forme de 3 sessions de 2 jours réparties sur plusieurs mois pour les managers, mais ensuite la mise en place d'un élément auquel je tiens énormément lorsqu'il y a cette logique de transformation, cette notion de communauté managériale. Communauté managériale, donc c'est de rendre autonome, de pousser l'innovation, de pousser le partage, la collaboration au niveau des managers. Et donc nous avons mis en place la logique de groupe de co-développement, la logique de peer coaching entre managers. Alors, je présentais ça dernièrement à mes clients qui me disaient mais comment ils ont pu rentrer dans cette logique de co-développement et de peer coaching. Comment ils ont vu l'intérêt, comment par rapport à leur planning apparemment chargé, donc ils sont rentrés dans cela. Cette notion de mettre en place le co-développement, le peer coaching, ce n'est pas quelque chose que vous mettez en place à la fin du processus de formation. Je ne vais adhérer qu'à partir du moment où j'ai compris, j'ai déjà vécu et vu l'intérêt de la chose. Donc, cette logique de co-développement, de peer coaching, de travail en collaboration, elle a commencé dès la partie formation. La logique de la formation, c'est absolument pas du descendant, c'est justement rendre le plus acteur et commencer à favoriser le travail en collaboration, en coopération. D'où l'intérêt aussi d'avoir des managers de services et de métiers différents pour pouvoir travailler sur le noyau dur qui vont être les éléments communs. Donc à aujourd'hui, après un peu plus d'un an, où nous en sommes sur ce client. Eh bien, forcé de constater de manière assez factuelle que les pratiques managériales avec des actions managériales très claires comme le feedback, les outils collaboratifs, etc., eh bien, sont présents. Le référentiel managérial est un point de référence qui vit, hein, il a évolué depuis, et qui vit et qui est toujours donc un point central. Il y a des actions de projets collectifs que l'on avait initiées dans les aspects de formation qui ont été mises en place. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que toutes les logiques de session de co-développement que l'on a initiées il y a un an et demi continuent et même grossissent au niveau de cette structure. C'est-à-dire que les managers travaillent ensemble, partagent leurs succès, leurs difficultés, leurs points de blocage dans les actions d'évolution de posture, dans les actions de transformation. Et il y a eu très récemment donc un nouveau baromètre, une nouvelle étude. Et là, les objectifs d'évolution de taux de satisfaction ont été globalement respectés.
Enfin, en tout cas, donc, nous avons atteint les objectifs de taux de satisfaction. Donc ça, c'est un exemple très, très rapide pour toujours parler de cette logique de fonctionnement en trois étapes. Du diagnostic à co-construction, avec en mettant donc les managers au centre de la transformation et ensuite un déploiement et une mise en œuvre. Pour terminer avec cette présentation rapide, les clés de succès, elles sont où? Les clés de succès que nous avons, en tout cas que je vous suggère de vraiment mettre en œuvre, c'est toujours une approche qui va être personnalisée et toujours une approche qui va être mesurable. Très souvent dans les projets de transformation, surtout quand on est dans des évolutions comportementales, management ou autre, on oublie cet aspect de mesure. Donc, que ce soit donc mesurable, intégrer les neurosciences. Moi, je suis un fervent défenseur convaincu de l'intérêt des neurosciences et de la préparation mentale. Alors, les neurosciences appliquées pour travailler sur les processus de décision, pour travailler sur les logiques de résistance, les logiques de stress, la préparation mentale. C'est aussi le petit plus que nous avons, puisque donc moi je suis préparateur mental dans le milieu du sport et j'ai intégré ces aspects-là dans notre démarche. Sur la gestion du stress, sur le focus, sur la manière de se ressourcer et de se recharger mentalement et psychologiquement. Donc, développer l'autonomie, l'innovation, ça c'est la clé. Ça c'est une clé au niveau des managers, au niveau des équipes, au niveau donc pour qu'elles soient moteurs et actrices dans les transformations. Et cette logique de leadership transformationnel et de management transformationnel qui est au cœur de la stratégie. À partir du moment où vous avez mis de la logique de mesure, eh bien donc derrière, vous allez avoir donc un suivi, une adaptation donc des pratiques, parce que, encore une fois, la transformation n'est pas quelque chose de figé. Donc voilà, nous arrivons déjà à la fin. On va essayer de garder quelques petits temps aussi pour les questions, mais je sais que j'ai déjà dépassé notre temps, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir sur l'aspect stratégique. J'ai toujours ce travers de vouloir partager trop, trop, beaucoup de choses. Moi, je vous invite à aller plus loin pour pas rester sur cette frustration que je partage de ne pas avoir partagé autant de choses. Et moi, donc, j'aurais vraiment à cœur de rentrer dans le détail, de vous présenter notre approche qu'on appelle Chrysalide, qui est comment je mets en place le leadership transformationnel, comment je le renforce par les neurosciences, la préparation mentale. Et là, j'ai simplement listé les principaux défis sur lesquels nous travaillons et pour lesquels l'approche est complètement adaptée. Travailler sur le turnover, la fidélisation, l'agilité, la résilience face au changement gravé, développer donc cette agilité cognitive, l'engagement, la motivation des équipes, développer un manager qui donne le cadre, qui permet d'embarquer les équipes, développer l'innovation, l'autonomie, donner le cadre et donner donc les moyens pour pouvoir développer ça, travailler sur la performance opérationnelle et l'efficacité avec la collaboration, avec le sens des transformations, avec la vision, avec tous ces éléments-là, et comment je vais pouvoir en tout cas, partager et engager tout le monde autour de la vision, autour des valeurs. Donc, si, pour être clair et faire mon rendeur, si vous avez, en tout cas, donc vous êtes sensibilisé, vous êtes sur cette logique de défi-là, eh bien, c'est avec grand plaisir que moi, je vous propose d'aller plus loin et de creuser un peu donc le sujet. Donc, je sais que j'ai dépassé donc le temps, puisque j'avais prévu 45 minutes. La prochaine fois, je devrais prévoir 1 heure. Je pense que ce sera mieux. Mais j'ai quand même le temps, prenons quand même le temps, si vous avez de la disponibilité encore, sur mes questions. Donc, je suis encore à votre disposition pour pouvoir répondre aux questions que vous pouvez avoir, questions, remarques, commentaires sur tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Alors, comment intégrer c'est Viviane, comment intégrer donc la dimension internationale et multiculturelle? Donc, alors,
Ça passe par plusieurs choses. Ça passe déjà par les intervenants, dans le sens où cette notion interculturelle, c'est un sujet que j'ai décidé d'aborder très tôt en m'entourant d'équipes d'intervenants qui, justement, vont être spécialisés sur ces aspects interculturels et sur la connaissance. Donc, je travaille dans mon équipe. Donc, dans mon équipe, j'ai des intervenants qui ont l'habitude de travailler à la fois donc avec donc l'Europe, les pays européens, mais aussi donc avec les États-Unis, par exemple, ou même avec la Chine. Donc, j'ai un client là qui est très impliqué en Chine et donc on travaille sur ces aspects-là. Donc, c'est déjà donc un volet de connaissances, de compétences et d'habitudes, par un travail avec des consultants qui ont l'habitude de faire des implémentations au niveau de l'interculturel. Et donc ensuite, après, dans la démarche et dans les diagnostics que nous faisons, eh bien, en fonction de justement l'implantation de nos clients, des organisations, il y a un volet interculturel, il y a un volet de questionnement interculturel qui va être aussi en fonction du type de culture qui fait partie de l'aspect diagnostic. Donc pour vous répondre, et ce sera avec plaisir qu'on pourra rentrer plus dans le détail, c'est à la fois parce que je travaille dans l'équipe, nous avons les compétences qui sont dédiées et spécialisées sur ces aspects-là, et que c'est quelque chose que nous avons intégré dans la partie diagnostic et qui nous permet ben, justement d'après de modéliser un petit peu, comme on travaille beaucoup sur le management. Là, je travaillais dernièrement avec un client où on parlait des aspects managériaux entre ce qui se passe dans les pays latins, on va dire, et ce qui se passe en France, et ce qui se passe. Là, on a une logique, une vision où on veut avancer, enfin où on veut aller. Et après, dans la partie stratégique, dans la partie plan d'action, là, on va avoir une déclinaison qui va prendre en compte aussi ces particularités multiculturelles. Donc voilà ce que je peux vous donner comme grande réponse, mais voilà, avec plaisir, contactez-nous, n'hésitez pas à à regarder mon agenda et je rentrerai dans le détail avec vous sur ça, Viviane. Avec plaisir, hein, sur les merci Moutier, avec plaisir Gunnar. Donc voilà, moi je suis encore un petit peu disponible. Hein, si vous avez encore des questions claires, donc présentation intéressante, ben merci déjà. Donc merci pour ces feedbacks, l'importance du feedback. Donc merci sur ces feedbacks. N'hésitez pas à me faire des retours sur des axes d'amélioration ou des sujets sur lesquels vous voulez qu'on partage. Merci Anne-Catherine. Ah ben tiens. Donc Anne-Catherine, on se contacte. Ça fait effectivement longtemps qu'on n'a pas échangé. Merci Frédéric. Merci. Belle introduction sur le leadership transformationnel. Eh bien, effectivement, c'est une introduction. Donc, et moi, mon objectif, c'est de vous donner les quelques clés et aussi de vous proposer d'aller plus loin et de rentrer un peu plus dans le concret et en fonction de votre contexte. Merci pour le feedback, Quentin. Merci, Vincent. Donc, je reste encore quelques minutes si vous avez des questions, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de monde connecté. Donc là, je ne peux pas voir là directement si vous avez pris des rendez-vous. Il faut que j'aille après avoir sur mon agenda. Mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas. Prenez un point sur mon agenda. Et voilà, ça n'engage à rien. C'est simplement aussi pour rentrer un peu plus dans le détail, pour échanger et pour se nourrir mutuellement, déjà, ne serait-ce que se nourrir mutuellement d'éléments concernant la mise en œuvre concrète de cette approche.
Bien, bah écoutez, bon, je vois que vous êtes encore un certain nombre connectés, mais je ne vois pas de questions. Eh bien, je vais m'arrêter sur ça. Je vais m'arrêter sur ça. Je vous dis tout ça à bientôt. Vous allez de toutes les façons avoir un lien donc avec le replay. Et si vous avez, ben, donc, voilà, prenez rendez-vous. Et si vous avez, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, vous n'avez pas envie de prendre rendez-vous, qu'importe, n'hésitez pas aussi à poser des questions ou à m'envoyer des éléments par mail, en réponse au mail que vous allez recevoir avec le replay. Merci à tous, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Oui, donc là, Lamina vient d'afficher voilà, mes coordonnées. Vous pouvez aussi me passer un coup de fil, vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Merci à tous et à très bientôt.